Le premier Concorde de série, le FWTSB, a fait plusieurs vols non commerciaux, comme des vols présidentiels, des vols d'exercice pour les PNC Air France, mais également quelques tests. Lors de ces tests, les pilotes étaient chargés de tester la vitesse maximale de l'avion. Lors de la certification d'un appareil, il est important de pouvoir déterminer plusieurs paramètres, la vitesse maximale en faisant partie. Eh bien, c'est cet appareil qui a dû s'en charger. Et sa vitesse maximale était de 2400 km/h. Pourquoi pas plus vite, me diriez-vous ? Eh bien, parce qu'à cette vitesse, le Concorde commençait à trembler de plus en plus et les pilotes ont vu apparaître sur la visière des bulles. En fait, la visière était en train de fondre. Imaginez-vous un petit peu à 2400 km/h, à 18 km d'altitude, et voir votre pare-brise fondre devant vous, ça a dû être un sacré coup de pression. Chaque passager qui volait sur Concorde recevait un certificat de vol Concorde, et à Mach 2.2, soit 2200 km/h à peu près, ils recevaient tous une coupe de champagne offerte pour fêter la vitesse atteinte. Pendant le vol, pas besoin de s'ennuyer, à bord du Concorde il y a plein d'activités, dont la principale est manger de la bonne nourriture gastronomique. Au menu, du homard, du caviar, énormément de truffes noires, préparées par des grands chefs étoilés français. Pour voyager à bord du Concorde, il faut débourser la modique somme de 8000 euros à l'époque, soit à peu près 15 000 euros avec la valeur actuelle. Pour un aller-retour Paris-New York, c'est assez cher. Mais tous les passagers volaient en première classe, car oui, le Concorde comptait 100 places, toutes en première classe. D'après vous, la personne qui a pris le plus le Concorde, c'était combien de fois ? Eh bien, aucune de ces réponses affichées, la personne qui a pris le plus de fois le Concorde au cours de la vie de l'avion, c'est plus de 700 fois. C'était un homme d'affaires très occupé, qui aimait particulièrement bien le Concorde pour sa rapidité. Ça a dû coûter excessivement cher.